يعني أخواتي متتبعي قناة الماس الكرام، أجد استفدت مع درس مهم جدا في الستاتيستيك. Nous allons voir dans cette séance le cours de l'ajustement linéaire et la corrélation. On va voir c'est quoi la différence, les différences entre l'ajustement linéaire et la corrélation, quand on peut utiliser l'ajustement linéaire et quand on peut se servir de la corrélation, c'est quoi les conditions pour utiliser l'un des deux concepts. خليكم معنا. إذا أعجبك الفيديو فاضغط على زر لايك واشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. Donc rebonjour. Bonjour tout le monde. Donc on va faire aujourd'hui un cours très important comme les autres, le deuxième chapitre, l'ajustement linéaire et la corrélation. Quand on dit l'ajustement ou la régression, ça veut dire la même chose. Je vais présenter donc l'intégralité de l'écran pour présenter le cours. Vous êtes en train d'accord. Donc je vais présenter donc ce chapitre d'ajustement et de corrélation, donc ça concerne la liaison entre deux variables. Donc cette matière de ce semestre, ça concerne les statistiques 2, c'est-à-dire les séries statistiques ou les distributions statistiques ou les tables statistiques, donc qui portent sur deux variables simultanément. Donc c'est pour ça l'ajustement linéaire ou la corrélation, donc ça continue et continue ce qu'on a vu dans le premier chapitre, les tableaux statistiques à deux variables. Donc on va voir aujourd'hui, on a vu comment on fait pour étudier deux variables simultanément, comment on fait un tableau de contingence ou la matrice de contingence, le tableau à double variable, à deux variables. Aujourd'hui, on va voir cette liaison. On va identifier la liaison entre deux variables statistiques, c'est-à-dire l'intensité, et comment elle est cette liaison, ou cette relation qui lie donc les deux variables, donc soit x et y. Donc, on va voir en premier lieu la notion d'ajustement ou de régression. Donc ajuster, c'est faire la régression des données de xi, de y, c'est-à-dire xi et yi. Et dans une deuxième partie, on va voir la corrélation. La corrélation, c'est-à-dire la liaison entre les deux. Comment elle est son intensité et tout ça. Tout d'abord, c'est quoi la nature des variables à étudier dans l'ajustement linéaire ou dans la corrélation? Généralement, la corrélation ou la régression désigne la liaison entre deux variables statistiques. Mais en statistique, le terme corrélation ou régression est réservé pour désigner la liaison entre deux variables quantitatives. Donc on ne parle plus de variables qualitatives ou de caractères qualitatifs. Et le plus souvent, on va voir le cas continu. Donc le cas des variables continues, parce que le discret, ça concerne des cas limités. L'objectif de ce chapitre, c'est d'identifier la nature de la liaison entre deux variables et comment déterminer la droite de régression qui est traduite par l'ajustement. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la régression, ça veut dire la même chose, ça revient même de dire l'ajustement. Donc, faire une droite de régression, c'est-à-dire ajuster les données à étudier avec une droite ou bien une courbe.
une courbe de tendance, une courbe régulière. Et le degré de la liaison, c'est-à-dire on va voir ou déterminer le coefficient de corrélation linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire, c'est un coefficient à calculer qui est donc l'intensité de la liaison entre x et y, entre les deux variables. Ce qu'il faut noter, c'est que la régression ou l'ajustement se fait dans un seul sens. C'est-à-dire on a une variable expliquée et une variable explicative. Donc la variable explicative, on peut le voir dans l'axe des abscisses. Donc toujours, il faut noter donc un repère orthonormé où on a donc l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc comme vous voyez ici, on a deux variables, excuse-moi. Donc on a deux variables x, y. X représente l'âge des individus ou des étudiants et y la taille. C'est-à-dire on va expliquer la taille des individus par la variable explicative, l'âge. C'est-à-dire comment l'âge influence la taille. Est-ce que la taille augmente avec l'âge ou est-ce qu'elle diminue avec l'âge? Donc on va voir donc ça en réalité. Et comment elle augmente? Donc si elle a une augmentation de part et d'autre, donc comment elle est cette augmentation? C'est-à-dire l'intensité. Donc l'ajustement ou la régression, donc on va présenter donc les données d'une population de n individus représentée par les xi et les yi, tels que les i représentent les individus. I, c'est allant de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire le premier individu, on représente son x et son y, c'est-à-dire son âge et sa taille. Très bien. Donc, j'espère que l'introduction c'est bien clair. Puis, donc le souci dans cette première partie, c'est comment déterminer la droite de régression du y en fonction de x. Donc présenter en mathématiques une droite, c'est-à-dire trouver la pente, le A et le B, et l'ordonnée à l'origine. Donc représenter les données sous forme de nuage de points, il représente une courbe. Donc c'est ce nuage de points, il semble manifester une tendance. Donc c'est-à-dire il peut suivre une courbe régulière. Donc à forme exponentielle, linéaire, polynomiale ou je sais pas. Donc si ces données il suit où ils sont répartis suivant une droite, on dit que la régression est linéaire. Donc c'est pour ça, dans le titre, on a mis la régression linéaire. Donc si ces données, donc ils suivent une droite, donc on dit que la régression est linéaire. Donc déterminer le coefficient A et B, c'est-à-dire on va trouver une méthode fiable et efficace et juste pour trouver le A et le B de telle sorte à avoir une droite donc très proche de tous les points, c'est-à-dire le mieux ajuster les données. Donc on va voir une méthode graphique qui est moins précise, et on va voir une méthode qui est algébrique ou analytique. Donc la méthode graphique, ça concerne à tracer, puisque c'est graphique, donc on peut tracer une droite donc selon l'utilisateur, selon la personne qui va tracer. Donc il va la tracer, donc c'est approximatif, elle va la tracer de telle sorte à avoir une droite proche de tous les points. Donc cette droite, il peut passer par plusieurs points de ces données parce que c'est sont répartis sous forme d'un nuage. Donc, on prend deux points A et B, respectivement deux coordonnées x0, y0 et x1 et y1. Donc, si vous voyez ici, ça c'est le A
x0, y0, et ça c'est le bx1, y1. J'espère que c'est bien clair. Ces deux points appartenant à la droite, considérez ajuster tous les points xi, yi. On a alors deux équations, c'est-à-dire y0, puisqu'elle appartient à une droite, qu'on ne connaît pas le A et le B, c'est-à-dire les paramètres de la droite. Donc y0 égale à ax0 plus b. Donc puisqu'elle appartient à la droite, donc il vérifie l'équation de la droite. y1 égale bien à ax1 plus b. Donc si on fait une résolution du système à deux équations, à deux inconnus A et B, donc les inconnus ici parce que les x et les y sont connus. Donc les inconnus ici c'est le A et le B. Donc un système de deux équations à deux inconnus de premier degré. Donc si on fait la résolution, on trouve donc une méthode parmi d'autres de résolution du système. Donc soit l'addition, soit comme vous voulez, donc vous pouvez essayer de faire la démonstration. Donc on trouve le A égale à Y1 moins Y0 sur X1 moins X0. Et le B, donc on va remplacer le A dans la première équation. Par exemple, on trouve que le B égale à Y0 moins, donc je crois, donc moins Y1 moins Y0. Donc on va renverser ça fois X0. Parce qu'on aura ici donc un moins. Et on va remplacer le A. Donc c'est bien clair. Donc on a trouvé le A et le B. Donc on a l'équation de la droite. Mais le problème ici, c'est que cette méthode graphique, elle reste approximative. Qu'est-ce que ça veut dire approximative? C'est-à-dire, on n'a pas la chance d'avoir des résultats bien précis. Donc la question qui se pose, pourquoi on doit tracer une droite? Donc tracer une droite de régression ou droite d'ajustement, c'est-à-dire pour prévoir la variable ou la valeur de la variable expliquée en étant donné donc une valeur de la variable explicative. Par exemple, ici, si on a fait l'étude d'âge en fonction de la taille, en fonction d'âge. Donc, si on trace la droite, si on a le A et le B, donc, par exemple, à l'âge de 20, donc, si on n'a pas donc, une personne qui a 20 ans, donc, à l'âge de 20, donc, on peut prévoir sa taille, donc, à partir de la droite. Donc ça, c'est l'objectif de tracer la droite. Mais la méthode graphique, toujours, elle est approximative, elle ne donne pas des résultats très précis. C'est pour ça qu'on doit voir donc une méthode analytique. Donc il y a plusieurs méthodes analytiques selon plusieurs scientifiques et plusieurs des savants. Mais la plus précise et la plus fréquente, c'est la méthode des moindres carrés. D'après le nom, les moindres carrés. Donc, moindre carré, c'est-à-dire carré, c'est 2 carrés, donc la puissance 2 au carré. Mais le moindre, c'est-à-dire le moins. Donc, on va trouver donc une expression ou une différence entre la fonction qu'on doit trouver, qui représente la droite, donc on doit trouver une fonction y étoile qui est égale à f de x, donc ça sera une droite, donc ax plus b, qui correspond le plus exactement aux données de la série statistique, c'est-à-dire la plus proche des séries statistiques. Donc si vous voyez ici, yi c'est la donnée, xi c'est la donnée, mais yi étoile c'est la fonction. Donc, elle appartient à la droite. C'est la fonction de la droite. Donc, on va trouver cette fonction, c'est-à-dire on va trouver le A et le B. Les paramètres de Y étoile, c'est le A et le B.
Donc, la méthode des moindres carrés, le principe, c'est que on doit minimiser donc cette distance. Donc, ça, c'est epsilon, c'est epsilon i, c'est l'écart. L'écart entre la fonction qui est la droite et la donnée yi, mais au carré. Donc, pourquoi le carré? Parce que, tout simplement, pour ne pas avoir donc de ne pas avoir des écarts qui sont négatifs. Parce que si on fait donc l'écart ici, on aura yi moins y étoile sera donc une valeur négative. C'est pour ça on doit faire le carré. Donc ça, c'est le principe de la méthode. Puis, pour tous les points, ça, c'est pour i, pour un individu i. Donc, pour tous les points, on a donc la somme des écarts i, des epsilon i au carré, on aura, c'est la somme des yi moins yi étoile au carré. Donc, on va faire pour tous les points. Donc, le principe de la méthode, c'est d'avoir cette quantité minimale. Donc, c'est-à-dire, il faut que cette quantité soit le minimum possible. Donc, le minimum de cette quantité. Donc, on va remplacer yi étoile, donc yi moins axi moins b. Donc, axi plus b avec le moins, ça va donner moins axi moins b. Donc, on va remplacer yi. Donc, c'est pas nécessaire d'entrer donc là-dedans dans la démonstration parce que c'est simple mais c'est pas nécessaire d'entrer dans la démonstration et faire donc des pages et des pages parce que c'est les statistiques son objectif c'est pas de faire des démonstrations mais de comprendre le principe. Donc le principe c'est que d'avoir cette quantité minimale. Donc pour avoir donc cette quantité, donc les y et les xi se sont connus. Donc les variables ici, c'est le a et le b. Donc c'est une fonction, ça c'est une fonction à deux variables a et b. Donc pour avoir le minimum, donc en mathématiques, pour avoir le minimum de cette fonction en a et en b, donc je vais noter la fonction gab. Donc qui dépend de la variable a et b. Donc cette fonction, pour avoir son minimum, c'est-à-dire on va dériver la fonction par rapport à A et par rapport à B. Et on annule ces deux quantités. Donc DG, donc cette écriture, donc c'est la dérivée partielle de la fonction G qui est celle-là par rapport à A. C'est-à-dire on va considérer le B comme constante et on va dériver la fonction GAB. Et ça égale à 0 pour avoir le minimum. Et la dérivée partielle de G par rapport à B, donc on va considérer le A constante et on va faire la dérivée égale à 0 pour avoir le minimum. On avait donc comment on fait pour dériver une fonction. Mais il faut faire attention, les variables ici, c'est pas X, c'est pas Y, ce sont les A et le B. Donc, si on dérive la fonction g de variables a et b par rapport à a, on peut avoir cette dérivée. Donc, c'est 2. Donc, je vais descendre parce que j'ai le carré. 2. La dérivée de a ici. Donc, ça, c'est constante 0. Ça, c'est constante 0. Et le a, c'est le xi. Donc, je vais avoir xi ici. Très bien. Puis, je vais multiplier fois cette quantité, mais je vais faire 2 moins 1 pour avoir ici yi moins axi moins b. Tout ça égale à 0 pour avoir le minimum. Donc, la dérivée par rapport à b, de la fonction par rapport à b, donc je vais descendre le 2 par rapport à b, ça va donner donc moins 1. Donc, l'équation, donc j'aurai plus. Donc, C1, YI moins AXI moins B, égale à 0. Donc, vous avez deux équations, un système de deux équations, une résolution de ce système d'équations à deux inconnus A et B. On peut trouver
Donc, si on fait la résolution de ce système, donc on peut avoir le A égale donc la somme des x, y, i moins n x bar, y bar sur la somme des x, i au carré moins n x bar au carré, où A égale la somme des x, i moins x bar, y, i moins y bar sur la somme des x, i moins x bar, le tout au carré. Vous voulez savoir où on a trouvé donc les x bar? Donc, n x bar, c'est tout simplement si on fait donc l'expression de la moyenne, x bar égale la somme des xi. Donc, on peut avoir donc ici la somme des xi sur n. Donc, si on multiplie le n fois x bar, ça va donner n x bar égale la somme des xi. Et la même chose ici, la somme des xi, ça va donner la somme des yi, ça va donner y bar. Donc, vous pouvez faire la démonstration. Elle est simple, mais ce n'est pas l'objet du cours. Et le B, donc on va replacer dans l'équation de la droite. Donc, B égale à y bar moins A fois multiplié par x bar. Donc, si vous voyez ici, on peut calculer x bar pour, donc, un exemple, x bar, y bar, la somme des xi fois yi, la somme des xi au carré, et on peut trouver donc le a et le b. Donc la droite dy, donc ça note dy de x, donc parce que c'est la droite de régression de y par rapport à x. Donc la droite de régression de y par rapport à x. Donc ils sont notre y égale à ax plus b. Et le A, c'est le coefficient de régression. Il faut faire attention de Y par rapport à X. Donc, j'espère que c'est clair jusqu'ici. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur, c'est clair. Donc, on peut même exprimer la droite de. Donc, c'est d' de X par rapport à Y. C'est la droite de régression de x par rapport à y. Donc, elle est notée d', c'est d' de x par rapport à y, c'est x égale à a' fois y plus b'. Avec le a', donc c'est comme tout à l'heure, donc le a', c'est la somme des x et y moins nx bar y bar sur, ici, donc si vous voyez au dénominateur, c'est les paramètres de x. Donc ici, on aura les paramètres de y. Donc si on veut calculer a', donc on doit calculer les yi au carré. Mais cette quantité, on l'a calculée, donc on avait besoin de la calculer. Ou a' égale. Donc soit on calcule les xi moins x bar et on va les multiplier fois les yi moins y bar et on va faire la somme. On divise sur les yi moins y bar au carré. Donc, c'est la même chose. Et le B, c'est toujours x bar moins a' fois y bar. Le a', c'est le coefficient de régression du x, parce c'est la droite de régression de x par rapport à y. Donc, on va adopter une seule méthode pour le calcul. Donc, on va voir tout de suite un exemple. Donc, on va adopter donc cette méthode du calcul soit de A, soit de B. On va calculer les xi, les yi. Et donc le produit et les xi au carré, et on va calculer les moyennes. Donc, comme vous voyez ici, donc j'ai un exemple qu'on doit le faire tout de suite ensemble. J'ai les résultats donc du tableau. Donc, les xi, donc j'ai 0, 2, 3, 5 et 10. Et les yi, j'ai 2, 3, 4, 7, 14. Donc ici le total. Donc ici le total des xi, c'est-à-dire la somme des xi c'est 20, la somme des yi c'est 30. Je fais ici la multiplication ou le produit des xi fois les yi. Donc 2 fois 0 c'est 0, 2 fois 3 c'est 6, 3 fois 4 c'est 12, 5 fois 7 c'est 35 et 10 fois 14 c'est 140. Le total ça va donner 193. Et je dois calculer les xi au carré. Donc 0 au carré 0, 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9,
5 au carré, c'est 25, et 10 au carré, c'est 100. Le total, c'est 138. Donc, je vais faire, donc, en utilisant la méthode des moindres carrés, donc, je vais descendre pour voir. Donc, la méthode des moindres carrés, excusez-moi. Donc, la méthode des moindres carrés, on va, par la méthode des moindres carrés, on va ajuster la droite. Excusez-moi, parce que je dois. Donc, on va ajuster la droite aux données de l'exemple. Donc, tout d'abord, donc d'après la formule, excusez-moi de présenter la formule. D'après la formule, on doit calculer x bar. Ça, d'une part. On doit calculer y bar. On doit calculer les x, les y, on l'a déjà calculé. On doit calculer les x, y au carré, on l'a déjà calculé. Et les x bar au carré. Donc, je vais présenter. Donc, ici, la somme des x, y. À quoi c'est égal? Donc, d'après le tableau. S'il vous plaît, parce que c'est un exemple, je veux votre réaction et vos réactions, bien sûr. Donc, c'est quoi la somme des xi? Ici, c'est les totaux. Excusez-moi, donc je vais faire comme ça pour comprendre. Donc, ça, c'est les sommes. C'est 20. C'est 20, très bien. Merci. Donc 20 sur n, n c'est donc le nombre total des individus ou des observations. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc c'est 20 sur 5. Pour donner 20 sur 5, c'est 4. Donc la moyenne des x, c'est 4. Très bien. La somme des Y. S'il vous plaît. C'est 30. Tchan? Combien? 30. C'est 30. Minutes Non, 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 non. C'est les. Non, non, c'est les Y. Les Y. Est-ce que vous Ah, voyez les égrés. l'écran? Les 30, hein. C'est Y, 30, ça c'est c'est la 30, somme. c'est 30. Très bien. Donc 30 jours sur 5 parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Sur 5, ça va donner 6. 6. Très bien. Donc, et ici, le A, donc, par expression, le A, ça va donner donc la somme des x, y, y, i. Donc, ça, c'est, donc, je vais noter rapidement. Ça, c'est la somme des y, i, x, i égale. Ça, c'est la somme des y, i, des x, i au carré. Très bien. Donc ici, donc j'aurai la somme des x, y, y, et c'est 193, c'est ça, moins Oui. n fois x bar, y bar. C'est-à-dire, je dois faire, donc n c'est 5, donc 5 multiplié fois 4 x bar, multiplié fois 6 qui est y bar. C'est clair? Divisé sur la somme des x i au carré, c'est la moyenne, ce qu'on a calculé tout à l'heure. C'est x bar, y bar. X Ah. bar, y bar. Ah, ça. Donc on doit calculer la moyenne de x et la moyenne de y. Et on va remplacer dans la formule. X bar, y bar, c'est ce qu'on a calculé ici. Donc, 180, donc 138. 138, merci Berland. C'est Berland qui a parlé. Berlin. Très bien. Le plus actif ce semestre, 5 fois Allah. 6. Quatre au carré. Donc, Berlin. 4 au carré, c'est 16. Très bien. Donc, si vous calculez ça, donc je vais. 1,25. Très bien. 1, donc c'est 1,25
8. Donc je vais arrondir la valeur, c'est 1,26. C'est clair? Donc pour le B, donc pour le calcul de B, c'est Y bar moins A fois X bar. Y bar c'est 6 moins A c'est 1,26. Donc c'est un produit, donc 1,26. Fois 4 pour donner la valeur de 0,96. 0,96. Très bien. 0,96. Donc maintenant, je peux. Donc je vais diminuer ça. Très bien. Donc je peux écrire l'équation de la droite. Donc le A, c'est 1,26 fois x plus le B. Plus le B qui est égal à 0, 0,96. Très bien. Donc je peux souligner l'équation que je cherche. Très bien. Est-ce que c'est clair pour l'exemple? Oui, monsieur. Très bien. Donc c'est on a donc des données en x et en y, donc on peut calculer la droite de régression facilement. Donc ça c'est et on peut même calculer le A' et le B' en utilisant la formule. Sauf ici on aura donc les y et ici y bar. Donc on va appliquer ça, on calcule les y au carré, on peut calculer A' et B' par la même méthode. Maintenant, on passe à la corrélation. Donc, pour parler de la corrélation, tout d'abord, c'est-à-dire déterminer la liaison entre deux variables, donc c'est-à-dire comment elle est, et son intensité. C'est-à-dire, est-ce que les deux variables ils sont fortement liées? Est-ce qu'ils sont parfaitement liés? Et la nature de cette liaison. C'est-à-dire, est-ce que la liaison entre ces deux, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Et on va voir donc comment calculer le coefficient de corrélation. Donc, mais cette fois-ci, on parle de la corrélation lorsqu'on a deux variables qui sont dépendantes. Donc, on sait dès le départ qu'elles sont liées. Donc, il y a une dépendance, une forte dépendance entre les deux variables. Et ce qu'il faut noter, c'est que la corrélation se situe entre moins 1 et plus 1. Donc, c'est-à-dire, le coefficient de corrélation, donc, il part de moins 1 à 1. Donc, soit on a donc une corrélation parfaitement négative, c'est-à-dire on a un moins 1, et parfaitement positive, c'est on a plus 1. Donc on peut avoir 0,5, 0,6, donc selon la dépendance des deux variables. Très bien. Tout d'abord, comment calculer le coefficient de corrélation? Donc pour calculer le coefficient de corrélation, donc la formule, c'est la racine carrée arithmétique du produit des deux coefficients de régression A et A'. C'est-à-dire R carré, qui est le coefficient de corrélation en note R, R carré égale à A fois A'. Donc on a vu tout à l'heure comment calculer le A et le A'. Le A, c'est la somme des x et y et moins n x bar y bar sur les paramètres des x, de x, et la même quantité au numérateur sur les paramètres de y. Donc on avait comment calculer le A et le A'. Puis, donc c'est on fait donc ce produit, donc on trouve que R, donc si on fait ça fois ça c'est au carré, si on fait la racine ça va donner ça, donc le carré donc ça va disparaître avec la racine carrée, et au dénominateur la racine carrée donc
de ces deux paramètres. Très bien. Donc il y a d'autres méthodes pour calculer, donc pour calculer le coefficient de corrélation. Donc c'est, si vous pouvez voir, donc il y a la formule de la variance. Donc la covariance qui est égale, donc tout simplement la covariance égale cette quantité en haut. Donc c'est celle-là. Donc je dois faire. Donc la covariance égale donc cette quantité sur divisé sur la somme des ini. Donc ça c'est la définition de la corrélation. Donc sur la somme des ini. Donc c'est on a 5. Donc, c'est la somme des ini. Ça, c'est l'expression de la variance. Très bien. Donc, le R égale la covariance de XY sur l'écart type de X fois l'écart type de Y. Ou bien, donc cette méthode. Donc, le R égale donc, la somme des XI moins X bar fois les YI moins Y bar sur et la racine carrée de la somme des xi moins x bar au carré fois la somme des yi moins y bar au carré. Très bien. Ou bien le R égale bien. Donc je vais donner donc une autre formule. Donc je vais vous envoyer le cours. Donc égal à multiplié fois le sigma x. Donc il faut faire attention, le sigma x excusez-moi donc le sigma x. Donc le A c'est le coefficient de régression. Excusez-moi, je sais pas. Qu'est-ce qui arrive ici? Donc je vais le noter tout simplement. Donc c'est le sigma x. Donc ici, j'aurai donc un sigma, donc le sigma x divisé sur sigma y. Donc j'espère que ça va marcher comme ça. Non. Donc je vais l'écrire tout simplement. Donc il faut savoir comment utiliser donc cette partie des outils d'équation, comment faire un script, les fractions, les racines, les sommes et tout ça. Donc c'est sigma. Donc c'est sigma y. Ou bien sûr R égale. Donc c'est si on utilise le A prime, c'est-à-dire j'aurai ici donc A prime fois le contraire, c'est-à-dire ici j'aurai Y et ici j'aurai X. Donc ça c'est des formules qu'il faut noter pour le calcul de coefficient de la corrélation. Donc je vais annuler ça. Très bien. Donc j'augmente un peu. Très bien. Donc ça c'est plus nécessaire. Donc la covariance, je vais la mettre ici. Donc il y a la méthode. Donc la méthode donc usuelle, c'est que R égale la somme des x, y et ce qu'on va utiliser dans les exercices, la somme des x, y et moins n x bar y bar, ce qu'on a calculé pour le A, et la somme des x et au carré moins n x bar au carré et la somme des y au carré moins n y bar au carré. Et il y a d'autres méthodes pour le calcul. Pour le calcul de coefficient de corrélation, c'est que
Donc on utilise donc soit cette formule, soit la formule de la covariance avec la covariance égale à ça, et l'écart type de x et l'écart type de y. Soit on utilise donc les coefficients de régression de x par rapport à y et le coefficient de corrélation de régression de y par rapport à x et les écarts types. Donc ça, c'est des formules pour calculer le coefficient de corrélation. Très bien. Donc on va faire un exemple. Donc on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on avait, donc si vous vous rappelez, si je me rappelle, donc la somme des x, y et c, s'il vous plaît, il faut faire attention. Donc j'invite votre attention. Donc la somme des x, y et c, je crois 193, c'est ça. Moins n, c'est 5 fois 4 fois 6. Très bien. Sur la racine carrée, bien sûr, la racine carrée de... Donc la somme des xi au carré, la somme des xi au carré, c'est 138. Je me rappelle bien, donc je dois ouvrir ici donc une parenthèse. 138 moins 5, le n fois 6, fois 4 plutôt, c'est pas 6. Donc 4 au carré, c'est 16. Donc je ferme la parenthèse. Donc je dois ici ouvrir donc une crochet pour faire ici, pour la fermer ici, multiplier fois crochet. Donc les y au carré c'est 174, 74. Donc je dois ouvrir ici donc la parenthèse moins. Bien sûr, le n c'est 5. 5 fois y barre au carré c'est 6 au carré c'est 36. Et je ferme la collade pour avoir donc le résultat égal, donc tout ça égale que le r égale à 0,98. Donc le r ici. Donc ici, 0,98. Donc si vous voyez ici, donc ce coefficient, elle proche ou elle s'approche de 1. C'est-à-dire elle est presque parfaite. Donc la corrélation ici, donc elle est presque parfaite. Donc je vais reprendre lequel. D'accord. Donc l'interprétation de ça, c'est que le coefficient R est très proche de l'unité 1, c'est-à-dire on peut déduire que la corrélation est très forte. Donc quand on s'approche de 1, c'est-à-dire la corrélation, la liaison devient très forte. Donc d'autant plus, dans ce cas, elle est positive entre x et y. Mais ce qu'il faut noter, donc le R, elle a le même signe que A. Donc elle dépend du signe de A. Donc, il faut faire attention, il y a deux paramètres, trois paramètres qu'on doit calculer dans ce chapitre. C'est que le A, le coefficient de régression de Y par rapport à X, le A', c'est nécessaire, le coefficient de régression de X par rapport à Y, et le coefficient de corrélation R. Le coefficient de corrélation R, il faut noter donc les formules. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que le A, il nous donne une seule information sur la relation entre le x et y, c'est-à-dire est-ce qu'il est positif ou négatif. Donc, il nous donne le signe de la relation. Mais le coefficient de R, il nous donne l'information sur la force de la liaison entre le x et le y. Donc, si vous voyez ici dans l'interprétation, il y a deux informations, deux résultats nécessaires pour faire une décision ou pour avoir donc un résultat. Donc ici, forte parce qu'elle s'approche de 1 et elle est positive parce qu'on a trouvé le A est positif.
Donc, j'espère que c'est bien clair. Donc, je reviens sur la diapo juste pour faire le calcul. J'ai trouvé le R est proche de l'unité 1 et elle est positive. Donc, c'est-à-dire la corrélation, elle est très forte et positive entre X et Y. Donc, il nous reste cette dernière partie de cette deuxième partie de la corrélation, c'est-à-dire les interprétations de coefficients de corrélation linéaire. Donc, si j'ai trouvé le résultat, si j'ai calculé le R, le coefficient de corrélation linéaire, donc comment je peux interpréter le résultat ou comment je peux commenter le résultat. Donc, si vous voyez ici, donc il y a cinq cas qu'on peut distinguer dans le cas de coefficient de corrélation linéaire. Le premier cas, quand on trouve le R égal à moins 1. Donc, on a fait le calcul, on a calculé les moyens, les x bar, les y bar, les xi fois les yi, on a calculé les xi au carré, les y au carré, on a trouvé que le R égale à moins 1. C'est-à-dire que les deux droites sont confondues. Donc, les deux droites sont confondues. Donc, si vous voyez ici d et d', c'est-à-dire d de i, d de y par rapport à x et 2 de x par rapport à y, elles sont confondues. Donc, on dit que la corrélation entre les deux variables est parfaitement négative. Parfaitement. Il faut faire attention ici, il y a trois paramètres à distinguer. C'est que on a parfaitement, c'est-à-dire la liaison est forte, donc c'est égal à 1, et forte, donc c'est égal à 1 ou moins 1. Donc, la valeur absolue est égale à 1, c'est-à-dire moins 1 ou 1, ou plus 1. Donc, parfaite, donc soit positive ou négative, et soit on n'a pas de liaison. Donc, si on trouve dans un deuxième cas les deux droites, le R est inférieur à 0, et que les deux droites forment entre elles donc un angle qui s'appelle l'angle de régression, la corrélation entre ces deux, donc les deux variables, donc elle est négative. Donc, elle n'est pas parfaite parce que ça devient parfaite. D'autant plus qu'il s'approche de zéro. Donc cet état, ce l'angle de, donc quand il s'approche de zéro, c'est-à-dire les deux droites deviennent confondues. Donc si elles deviennent confondues, c'est-à-dire la corrélation, elle est parfaite. Donc on dit tout simplement que la corrélation est négative. Donc si on a calculé le R, on l'a trouvé égal à zéro. C'est-à-dire les deux droites, elles sont perpendiculaires, elles forment donc un angle droit entre elles. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de liaison et on dit qu'il y a une absence de corrélation ou absence de liaison. Donc, soit les deux droites, donc soit le R est inférieur à plus 1, c'est-à-dire supérieur à 0 et inférieur à plus 1. Les deux droites forment entre elles donc un angle θ. Donc la corrélation entre les deux variables est d'autant plus positive et importante que l'angle de régression devient plus petit. Donc c'est inversement et c'est le même raisonnement que le deuxième cas. Donc lorsque θ devient nul, c'est-à-dire la corrélation devient parfaite. Ou bien le dernier cas, le R quand est égal à plus 1, les deux droites sont confondues, on dit bien que la corrélation est parfaitement positive. Donc elles sont confondues, la corrélation est positive et elle est forte, parfaite. Très bien. Donc le cours est terminé. Je vais vous envoyer la série d'exercices. Donc, quel aurait-il? Elle Déjà, aurait... c'est que tu es arrivé là. Pardon? Déjà, c'est que tu es arrivé d'une certaine Ah, manière. d'accord. Donc, c'est Déjà, oui. déjà envoyé. Merci, merci. Donc, pour faire, donc initier donc l'exercice 1, donc on donne l'évolution du chiffre d'affaires réalisé en Y. Donc, on va le noter Y, c'est-à-dire la variable explicative. Plutôt la variable expliquée. Parce que le x, ça sera donc la variable explicative. Donc, y, c'est, elle dépend de x
et x il est indépendant de y parce que c'est elle qui va expliquer la variable y. Et les frais de publicité engagés, un frais, en X par une entreprise commerciale sur une période de 10 ans. Donc il faut faire 10 ans, c'est-à-dire elle représente donc des observations, le N égale à 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc le N égale à 10. Ça c'est la première donnée de l'exercice. La deuxième donnée, c'est ce qu'il faut concrétiser ou problématiser donc l'exercice. Donc on veut savoir c'est quoi la liaison entre le chiffre d'affaires et les frais de publicité. Donc est-ce que c'est on dépense plus de frais de publicité, c'est-à-dire si on fait plus de publicité sur un marché ou bien sur un produit, est-ce que le chiffre d'affaires réalisé, est-ce qu'il va avoir une hausse? Donc est-ce qu'on va réaliser des bénéfices? Donc ça c'est pratiquement lié parce que si on fait pas de publicité, donc on va pas réaliser de bénéfices de plus. Donc si vous voyez par exemple pour le cas dans le cas informatique, donc pour le cas des YouTubers, donc pour le YouTube, donc si on fait pas de publicité pour le contenu des chaînes, est-ce qu'on va avoir des chiffres donc plus, donc si on va pas avoir des plus d'abonnés, si on va pas avoir les abonnements avec activation de d'alarme pour avoir donc les nouveautés et l'actualité de la chaîne, donc est-ce qu'on va avoir donc des chiffres d'affaires, est-ce qu'on va avoir donc autrement dit autant de vues et autant de des heures et de commentaires et des j'aime. Donc ça c'est fortement lié. Donc vous allez calculer le coefficient de corrélation linéaire et vous allez le conclure. Donc si vous voulez, donc on peut faire, donc je vais, excusez-moi, donc je peux initier le cours, même s'il est déjà 11 heures, mais je veux juste initier donc le cours. Très bien, donc je vais... très bien, donc je vais continuer ce brouillon de GI2. Donc je vais avoir donc ici exercice 1, TD numéro 2. Très bien. Donc j'aurai les données de l'exercice, donc je vais faire un saut de page. Très bien. Et je vais tracer... Donc la droite, donc j'ai dit 10, 11, 12. Donc je vais prendre 12, puis je vais redessiner. Donc je vais prendre un tableau de... donc dessiner un tableau, c'est-à-dire... Donc je vais insérer un tableau. Donc je vais faire combien de colonnes? La colonne des XI, 1, des YI, 2, XI, YI, XI au carré, YI au carré. Donc j'ai... Je dois faire donc 5 colonnes. Ici, je dois avoir 12 colonnes. Donc 10 pour les données et la colonne donc des légendes et la colonne des totaux. Très bien. Donc elle va donner donc ici, donc je note XI. Ici, je note les YI. Ici, XI fois YI. Très bien. Ici, j'aurai les XI au carré. Ici, les YI au carré. Très bien. Donc, j'annule ici la... Donc, je peux avoir ici, donc... Très bien. Donc, les XI... Donc, les X, j'ai dit bien que les frais de publicité. Donc, les frais publicitaires, ici, j'aurai le chiffre d'affaires. Très bien, permettez-moi de prendre quelques secondes pour
initier juste l'exercice ici, j'aurai 20, 22, donc les résultats de l'exercice, 24,2, 26, et ainsi de suite, et j'aurai ici donc le total qui est égal à 288,8. Vous allez faire ça, donc ainsi de suite, et si j'ai 100, donc c'est les résultats de l'exercice, donc 110, 110, 121, et puis 130, et ainsi de suite pour avoir ici donc le total de 100 1444. Très bien. Donc je calcule ici les x fois les y, 100 fois 20 c'est 2000, 22 fois 100, 110 fois 110 c'est 20, c'est plutôt c'est 24. 2420 et ainsi de suite pour faire tout ça pour avoir donc un total de 43 252. Puis si les x est au carré, les x c'est 20 au carré c'est 400, puis 22 au carré c'est je crois c'est 440, donc c'est 440 je crois, oui c'est 440 ou bien donc 22, 20 fois 22. Donc je dois faire tout simplement la calculatrice. Donc j'aurai donc 22 fois 22 pour avoir le carré. Donc c'est 8, 4. Et ainsi de suite pour avoir donc un résultat de 8650,4. Très bien. Puis les y est au carré, donc les y sont au carré, c'est 10 000, 110 au carré, 110 au carré, donc ça sera 12 000, 12 000, plutôt c'est 12 100, 12 100, pour avoir ici donc un total de 216 260. C'est clair? Donc ça c'est les résultats. Donc le R égale bien, donc le R égale, donc je dois annuler donc le coefficient de corrélation égale, donc c'est la racine, c'est la racine de A prime. Donc c'est très bien. Donc essayez de faire l'exercice, de faire la série. Donc vous avez tous les moyens nécessaires pour faire la série d'exercices, et on va faire corriger donc ces exercices la semaine prochaine ou la séance prochaine dans une autre conversation. Merci de votre attention. Prends soin de